Culture d'Islam par Abdel Bonjour à tous, aujourd'hui dans Culture d'Islam, nous recevrons Thierry Zarkon avec lequel nous allons parler dans un tout petit moment, des rapports entre islam et franc-maçonnerie. N-E-Y qui va donner aujourd'hui à l'émission sa couleur musicale et ses petits instants méditatifs. C'est l'heure de culture d'islam, l'heure dominicale de culture d'islam. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir dans cette émission Thierry Zarkon. Bonjour. Bonjour. Alors je vais vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Euh, C'est le groupe Société Religion Laïcité. Exactement. Euh, vous, qui est rattaché à l'école pratique de hautes études. Euh, vous animez des séminaires de recherche, vous dirigez des thèses de doctorat. Vous êtes un spécialiste de l'histoire intellectuelle et religieuse des mondes turcs et iraniens. Turquie, Asie centrale, Turkestan chinois. Vous vous êtes particulièrement intéressé à la mystique musulmane, aux confréries, au croisement du chamanisme et de l'islam et aux sociabilités secrètes. Alors sur ce thème des sociabilités secrètes ou discrètes, eh bien, je vous reçois aujourd'hui pour euh, votre dernier ouvrage euh, qui a un très, un très beau titre, très inspirant, très symbolique, Le croissant et le compas. Le croissant et le compas, le sous-titre est ⁇ Islam et franc-maçonnerie, de la fascination à la détestation ⁇ C'est chez Dervy Livre, c'est paru en octobre 2015, hein, c'est cela. C est, c est terrible, hein. Rapidement, le titre ⁇ Le croissant et le compas ⁇ on est tout de suite là dans le croisement symbolique ou l'assonance symbolique. Entre justement l'islam, le, le croissant qui, qui symbolise l'islam, dont peut-être vous, vous allez nous dire deux mots, euh, je parle du symbolisme, et puis le compas, hein, le compas qui est un instrument majeur de la symbolique euh, maçonnique. Oui, c'est exact. Je veux dire, en choisissant ce titre, euh, j'ai voulu insister sur ce qui fait la, la spécificité donc de dans la franc-maçonnerie, c'est la symbolique. Et comment justement ces symboliques allaient être croisées euh, avec l'introduction euh, de la franc-maçonnerie dans le monde musulman. Donc, de là, le choix donc, du croissant, qui ouais. caractérise le monde musulman, et le compas, qui est l'un des plus puissants symboles de la maçonnerie, avec l'équerre. Et oui, avec l'équerre. Et la l'assonance la, symbolique entre les deux, elle va, elle me semble-t-il, euh, euh, sur le plan visuel, c'est que les deux tracent le cercle, hein, qui oui. est euh, une image... Euh, une image de l'infini, une image traditionnelle de l'infini. Hein C'est exact. Et ils sont souvent d'ailleurs rassemblés. Vous l'équerre et le compas s'entrecroisent mmh. et le croissant très souvent se place, se situe au centre, donc, dans, dans cette espèce d'angle que forment les, ces deux instruments. Mmh. Donc, ce qui donne une image mmh. en même temps une, une harmonie particulière entre ces, bien sûr, ces trois symboles. Bien sûr, bien sûr. L'équerre et le compas qui, qui tracent la, la fameuse quadrature du cercle. D'une certaine manière, oui. Alors, vous n'en êtes pas, euh, c'est le moins qu'on puisse dire à votre coup d'essai euh, au sujet de ce goût que vous avez pour l'étude comparative entre les sociabilités euh, secrètes, c'est-à-dire en l'occurrence euh, entre la franc-maçonnerie et le soufisme, hein, puisque vous avez publié déjà avant celui-ci de nombreux ouvrages sur la question. On, je vais en citer quelques-uns. Il y a d'abord eu, euh, et là on voit que c'est vraiment une, une passion ou une préoccupation euh, ancienne, en 1993, chez Maisonneuve, un titre euh, euh, qui était Mystique, philosophe et franc-maçon en islam. Il y a eu également chez Arke en 2003 « Secrets et sociétés secrètes en islam ». Vous avez fait paraître aussi chez Gallimard en 2009 un, un ouvrage consacré au soufisme, hein, « Le soufisme, voie mystique de l'islam ». Et puis plusieurs ouvrages aussi, euh, entre autres, hein, parce que vos publications sont très nombreuses, entre autres euh, des ouvrages sur la Turquie, hein, notamment sur la Turquie moderne. La Turquie moderne, c'est-à-dire la Turquie euh, saisie au moment historique de, du, du passage de l'Empire ottoman à euh, la, la République de, 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 de Kemal Atatürk, hein, c'est ça voilà, alors par exemple, la Turquie moderne et l'islam chez Flammarion en 2004, etc. Tout de suite, peut-être une, une précision sur ce que vous appelez dans le livre les sociabilités discrètes ou les sociabilités secrètes, avec cette notion de sociabilité qui, dites-vous, et il sera beaucoup question dans cette émission de ce que vous avez déjà évoqué, c'est-à-dire les, les croisements, les hybridations. Donc, cette notion qui est justement au croisement de la franc-maçonnerie et de l'islam. Dans les deux cas, il y a une certaine notion de sociabilité et de la fonction... Euh à la fois initiatique et sociale, les politiques de la sociabilité, de ce type de sociabilité Oui, le, le terme sociabilité bon, était déjà utilisé par des, des historiens donc de, du XVIIIe siècle, oui. en particulier Maurice Agulon, oui. qui donne ce titre à ce qu'il appelle, enfin ce qu'il étudie, donc, euh, à savoir les, les loges maçonniques et les, et les pénitents. Donc une sociabilité, c'est un, une rencontre d'hommes, qui se donnent des règles, des règles du vivre ensemble et en quête d'une harmonie dans une petite société. Et, et la société secrète ou discrète est une, une marque ancienne. Et en France, au XIXe siècle, encore un, un ministre d'Empire de, euh, disait que les grandes sociétés, donc la grande société... A toujours besoin d'une petite société, discrète, cachée, ou en tout cas très peu visible. Qui ambitionne de servir de moteur à la grande société et de lui donner une orientation à travers l'activité et le rassemblement dans cette petite société de conscience qui essaie d'être ensemble particulièrement éclairés sur justement l'orientation de progrès qu'il s'agit de donner à la grande société vers un certain nombre d'idéaux. Oui, d'une manière générale, si on prend le cas de la franc-maçonnerie, elle se caractérise, de, donc depuis son apparition en Angleterre, par la volonté euh, émanant de ces groupes d'hommes de servir l'État et la religion. Ça a toujours été. Donc de toujours, de ne jamais comploter. Cela dit, on sait que dans nos pays, mmh. la maçonnerie a, je vais mettre entre guillemets pas comploter, mais c'est heurter au régime donc despotique au nom de la liberté. Donc c'est mmh. qu'il y a plusieurs voies. C'est-à-dire que dans le cas où la franc-maçonnerie en Angleterre par exemple se trouve dans une société qui lui convient, qui est juste, son devoir est justement d'aider le prince juste, d'accompagner, de ouais. l'accompagner ouais. et de servir aussi le bien des autres. Alors mmh. on peut toujours poser la question pourquoi alors le secret c'est une raison qui fait qu'elle a été, de là le, le, le terme détestation dans mon ouvrage, oui, de, de là le, le fait qu'elle a euh, suscité beaucoup de fantasmes, mmh. beaucoup d'interrogations et de suspicions. Hein voilà, C'est le caractère secret, le caractère peu connu euh, qui l'explique. Alors est-ce qu'il est possible de penser que ce caractère discret ou secret a surtout été euh, présent au moment où il ne s'agissait pas d'accompagner le prince juste, mais au contraire dans les périodes historiques où il s'agissait de constituer une force d'opposition à un pouvoir jugé euh, despotique ou autoritaire oui, c'est possible aussi, mais dès le début, la franc-maçonnerie a été très vite condamnée par l'Église catholique. Et on lui reprochait, entre autres, le secret. Il ne doit pas y avoir de secret pour le confessionnal. Donc le caractère secret. Et en islam aussi, des, des théologiens ont souvent affirmé que rien ne se fait de manière secrète en islam. Donc, si des organisations s'organisent dans le secret, c'est qu'elles ont des choses à cacher c'est qu'elles ne veulent pas. Ils ne veulent pas être connus des autres. Donc, la communauté musulmane doit être totalement ouverte. Ça, c'est une des raisons de la détestation. Alors justement, ce que vous nous racontez dans ce livre, Le croissant et le compas, qui vient de paraître chez Dervy, c'est justement la longue histoire des rapports difficiles entre la franc-maçonnerie et l'islam. Alors des rapports difficiles, des rapports compliqués, euh, des rapports heureux-malheureux, c'est-à-dire qu'il y a ces fameuses hybridations dont on va parler entre euh, la maçonnerie et la franc-maçonnerie et le, le soufisme, des hybridations sur le plan des rituels, sur le plan symbolique, même parfois on a des organisations qui fusionnent, à un moment donné vous parlez d'organisations qui sont paramasoniques et qui ont une nature hybride en quelque sorte, soufi et, et, et maçonnique, et puis des rapports difficiles avec les pouvoirs, des rapports difficiles avec l'orthodoxie. Et, etc. À tout seigneur, tout honneur, vous commencez par euh, la figure dans votre introduction de l'émir Abdelkader. Pourquoi Parce que, et vous, vous allez nous, nous le préciser, eh bien, euh, autour de son nom et autour de son parcours et autour de son adhésion alors réelle, supposée à la franc-maçonnerie, se sont cristallisés justement tout un ensemble de discours en islam sur la maçonnerie. Des discours contraires ou, ou des discours critiques et, ou, ou au contraire des discours qui exprimaient une séduction, une fascination et un intérêt. Pourquoi donc avez-vous commencé par, par Abdelkader bon, C'est vrai que c'est un peu l'image emblématique euh, du franc-maçon musulman, on pourrait dire, oui. ou de la franc-maçonnerie en islam, et surtout c'est aussi le personnage euh, autour duquel s'affrontent ceux... Qui s'opposent à la franc-maçonnerie et oui. ceux qui la soutiennent. Et surtout ceux qui, aujourd'hui, affirment que l'émir Abdelkader n'a jamais appartenu à cet ordre, et ceux qui, au contraire, le défendent en expliquant que son progressisme, son ouverture, en faisait un maçon. Donc. Alors, euh, c'est vrai qu'il était important d'abord de, de, de commencer avec ce personnage, surtout pour montrer que bon, son appartenance à la franc-maçonnerie est claire. Il y a des documents qui le démontrent il n'y a pas d'ambiguïté. Mmh. Là où on peut. Se poser des questions sur, sur les raisons exactes de son appartenance, sachant que ceux qui remettent en question son appartenance euh, veulent par là laisser entendre qu'il n'est pas possible que l'émir Abdelkader ait pu adhérer à une organisation qui devient par la suite euh, peu religieuse, qui regroupe des athées et qui se mêle de, de politique. En fait, à l'époque de l'émir Abdelkader, la franc-maçonnerie change de, de, de visage une maçonnerie française abandonne les anciens principes qui étaient des principes donc de respect envers la, la divinité alors autres. là vous parlez du grand orient de france voilà, qui abandonne la référence au, au gadelu c'est-à-dire voilà. au grand architecte de l'univers qui est le nom que la franc-maçonnerie traditionnelle donne à Dieu, au divin, au principe créateur euh, oui, je de, crois que c'est tout à fait de juste. Ouais, Ces différentes non. formules sont justes. Non. Oui, c'est à ce moment-là. Donc, En fait, Abdelkader s'engage sur cette franc-maçonnerie traditionnelle mmh. qui est croyante. Il, il y reconnaît une confrérie religieuse. Il reconnaît dans la franc-maçonnerie la, la confrérie soufie des Européens, la tarikat. Mmh. Donc il a l'impression d'adhérer à quelque chose qui ne le va pas lui faire. Perdre sa foi oui. et ses convictions religieuses. Quelque chose qui est à la fois religieux et méta-religieux, au sens où euh, il, il trouve là euh, quelque chose qui est effectivement en affinité avec euh, euh, ce que, ce que l'on peut trouver dans certaines confréries soufis, c'est-à-dire l'idéal euh, euh, d'une fraternité transconfessionnelle, et puis l'idéal également sur le plan doctrinal d'une unité des différentes religions et des différentes visions spirituelles du monde autour de quelques principes qui seraient des principes euh, universels. Oui, en fait, c'est l'optique de la, la franc-maçonnerie de rassembler des personnes de religions différentes qui mmh. peuvent fraterniser, euh, tout en leur permettant donc de fraterniser à travers, à la fois leur conviction religieuse et même leur leur quête spirituelle. Et surtout, donc, la franc-maçonnerie se rapproche des tarikas dans la mesure où elle, elle présente comme un certain nombre de confréries soufis, un rite de mort-renaissance. Donc de mort au monde, de mort à ses passions, et de renaissance au chemin qu'en disant adieu. Donc on se trouve dans le cadre de sociétés initiatiques, de là le terme d'initiatique. Oui. Et c'est la raison pour laquelle euh, de nombreux musulmans proches ou non des confréries soufis, dans des talikats, ont reconnu plus la franc-maçonnerie qu'ils ne l'ont découvert. Et c'est ce que j'ai pu noter dans de nombreux textes. Tout à fait. Je vous insistez beaucoup d'ailleurs que vous mettez en italique sur cette notion de reconnaissance. Hein, de Reconnaissance parce que euh les soufis vont trouver, dans, notamment dans les rituels hein, de la franc-maçonnerie, cette mise en acte, ou cette mise en œuvre euh, vraiment euh, de ce processus que vous décrivez, ce processus initiatique de mort-renaissance, qui n'est pas seulement quelque chose qui est un principe théorique, mais quelque chose qui est acté par euh, un certain nombre de rituels qui sont censés produire ce résultat d'une mort. À euh, ce qu'on pourrait appeler un égo ordinaire et de renaissance à, dans l'état que les soufis appellent, et vous en parlez beaucoup dans le livre, de l'insan et le kamil, c'est-à-dire de l'homme de parfait, parfait ou ouais. de, hein, de, de l'homme universel. Donc il y, y a ce phénomène de reconnaissance. Alors, ça, ça c'est pour l'image positive de la franc-maçonnerie du côté musulman, du côté d'un certain nombre de, euh, de, de, de musulmans éclairés. Le phénomène est beaucoup plus complexe, au sens où vous allez montrer tout au long du livre que la franc-maçonnerie du côté de l'islam autour de cette période, on va dire 19e siècle, 20e siècle, fait l'objet d'un phénomène d'attraction-répulsion. Attraction-répulsion, hein Attraction c'est le sous-titre de votre livre, fascination et détestation, fasc fascination puis détestation, avec euh, d'un côté une image qui est très positive, vous dites que... Euh, et d'ailleurs, c'est la même image positive qu'on peut trouver en Occident, hein, chez ceux qui ont justement cette image, cette bonne image de la franc-maçonnerie. C'est le microcosme, je vous cite, d'un monde idéal où l'homme cultive les vertus civiles et les règles d'un vivre ensemble qui balayent les clivages sociaux et confessionnels. Bon. Et puis, il y a euh, la face sombre, les, 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 les critiques, elles, elles aussi classiques, euh, d'un club athéiste etc. Et donc qu'est-ce qui se passe là autour de la, de, de la franc-maçonnerie Alors au début, euh, suivant l'introduction assez tôt d'ailleurs de la franc-maçonnerie, dès le début du 18e siècle, donc euh, au Moyen-Orient, euh, les, les premières critiques sont des critiques tout simplement que les, que les Européens apportent avec eux en Orient, donc les critiques oui. de l'Église, donc le, les francs-maçons... Euh, complotants dans le secret, les francs-maçons euh, hérétiques, peu religieux. Les francs-maçons se mêlant de politique. Donc, toutes ces... les francs-maçons comme sorciers aussi, c'est une critique qui revient très souvent. Très étonnant, ça fait un peu inattendu. Parce que pratiquant la magie, parce que ah, proche oui. de Salomon. Donc, Salomon a plus une image de magicienne dans le monde musulman que de, que de sage, que de roi sage dans les autres religions. Donc, on a tous ces éléments qui se mêlent. Ce sont les premières formes un petit peu de détestation. Donc, elles sont en, 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 dans le monde musulman. Donc, elles sont les mêmes, elles sont reprises par les religieux du Proche-Orient comme par les musulmans. Les mêmes que celles que l'on trouve en Europe. Les choses changent au 19e siècle, puisqu'il y a d'autres formes un petit peu de détestation qui vont apparaître en Particulier à la fin du 19e, avec l'installation des premières communautés donc sionistes en Palestine et surtout avec la création par la suite de l'état d'Israël. Donc on va associer le sionisme à la franc-maçonnerie et naturellement, bon, ça va cela va entraîner tout un ensemble de problèmes donc et de critiques terribles qui font aujourd'hui encore donc l'ordre est vraiment décrié dans l'ensemble du monde musulman. Oui, d'où la précision du sous-titre. Ça a été d'abord la fascination et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est surtout la détestation et la défiance et la suspicion. À partir de ce moment que vous signalez, je crois sur lequel il faut insister, vous, vous écrivez, le sommet de la détestation est atteint au début du XXe siècle, lorsque le sionisme s'impose dans un État ottoman déclinant. Et évidemment, deuxième pic encore plus en 1948 avec la création de l'État d'Israël. Et alors là, euh, vous situez la naissance de tous les discours pour lesquels la franc-maçonnerie devient l'instrument euh, et, et, et considérée comme l'instrument du sionisme et le soutien d'Israël, la pieuvre judéo-maçonnique. Hein, donc l'expression euh, dont, dont, dont on est familier, la, la pieuvre judéo-maçonnique menacerait le monde musulman plus que tout autre. Et vous dites d'ailleurs. Référence tout à fait actuelle que l'islam radical appelle continuellement à intervenir contre elle. Par exemple, vous euh, rappelez que euh, euh, lorsqu'une cellule d'Al-Qaïda avait frappé euh, en 2009 à Istanbul, c'était une loge maçonnique qui était visée. Donc on a la persistance là d'une euh, plus que d'une dé détestation, d'une véritable hostilité. Oh oui, très très forte. Alors, euh... Lorsque je dis de la fascination à la détestation, la fascination se poursuit quand même dans certains cercles, oui. mais aujourd'hui c'est la détestation qui l'emporte, donc par la, la puissance, l'envie d'agir de, 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 de manière euh, efficace donc, et surtout violente. On l'a vu à Istanbul avec cet attentat contre une loge maçonnique, donc, mais également avec le, la descente d'une de, de de, force de police donc, en, Arabie, en Arabie Saoudite contre, une, contre des francs-maçons européens euh, rassemblés dans une maison privée donc, qui se mmh. réunissaient. Alors, ils n'ont pas été persécutés, mais néanmoins arrêtés, interrogés et certains expulsés. Mmh. Donc, il y a toujours cette image de l'ordre maçonnique qui complote. Alors, pourquoi Naturellement, le monde musulman a hérité un petit peu de la, de la méfiance donc européenne à l'égard de la franc-maçonnerie qui associait aussi les Juifs. Pourquoi Parce que un certain nombre de rituels maçonniques mettent en jeu l'image du temple de Salomon. Donc, on a pensé que il y avait tout simplement une pénétration du, du rituelisme, de la symbolique juive dans, dans, ce, dans cette société. Donc les choses se sont, sont maintenues. Voilà, et qu'il y aurait derrière le rituel maçonnique de la construction du temple, qui est sur le plan symbolique en réalité un temple intérieur, hein, puisqu'il s'agit de oui. l'édification de soi. Oui qu'il y aurait là simplement un masque symbolique destiné à cacher un véritable objectif qui serait la reconstruction du temple de Salomon, c'est-à-dire d'un lieu de culte central pour les Juifs. J'imagine qu'il y a cette, cette accusation d'un double discours et de quelque chose qui serait perçu comme un pseudo-symbolisme euh, cachant des objectifs politiques. Exactement ça. Et d'ailleurs, les, les, les musulmans les plus radicaux, même, euh, veulent essayer de faire comprendre à l'ensemble des francs maçons qu'ils sont trompés, qu'ils ne savent pas qu'il qu y a des, des, des arrières loges qui les manipulent. Alors sur le plan politique, comme sur le plan naturellement, euh, je dirais géopolitique également, non, et, et religieux. Donc avec un projet de destruction de, de toutes les religions en, mmh. en particulier. Alors vous insistez euh, sur l'état des lieux hein, euh, actuel euh, de, de, de ce qui se passe dans le monde musulman, en disant euh, dans le monde musulman la violence des attaques portées contre la franc-maçonnerie est aujourd'hui loin d'être en perte de vitesse. Bien au contraire. Et tout y passe. Le franc-maçon est accusé d'être le principal acteur du grand complot qui associe le juif, l'athée, le capitaliste américain et le marxiste. L'ordre est devenu le repoussoir par excellence et le responsable naturel de tous les maux qui accablent le monde musulman. Et vous précisez, aucune autre association de pensée n'incarne une telle détestation. Alors, à la suite de ce constat, ce que je voudrais vous demander, c'est tout simplement, est-ce que d'une part, euh, la sécurité euh, des loges maçonniques est assurée aujourd'hui dans au moins l'ère du monde musulman à laquelle vous vous intéressez hein Et puis euh, est-ce que euh, eh bien, il y a une possibilité pour ces loges maçonniques aujourd'hui euh, d'avoir pignon sur rue, ou en tout cas euh, de ne pas être replié dans le secret le plus total. Et puis peut-être, troisième question, est-ce qu'on peut avoir là un indice du degré de tolérance ou d'intolérance qui règne aujourd'hui dans un certain nombre de, de, de sociétés du monde arabo-musulman Il y a peu de pays aujourd'hui euh, du monde musulman où elle, elle était maintenue. Hein. Elle, elle existait presque partout, euh, jusque dans les années 50, en Iran, au Pakistan, euh, en Indonésie, dans l'ensemble du monde, du monde arabe, donc en Turquie. Alors, Actuellement, il y a une petite présence au Maroc, une présence un petit peu plus importante au Liban, mm -hmm. une présence très importante en Turquie mm -hmm. et une petite présence en Malaisie. Alors, dans ces différents pays, euh, en Turquie, l'opinion sur rue. Elle est protégée, oui, mais il n'y a pas de cordon de police, notamment qui tout. Le, les Kurdes, de manière générale, même s'ils sont, bon, l'opinion publique se méfie beaucoup de franc-maçonnerie. Il n'y a pas, il y a des attaques assez vives, mais il n'y a pas de menaces. Cela dit, c'est à Istanbul que qu une cellule d'Al-Qaïda oui. a frappé une loge, mais c'est assez exceptionnel. En revanche, dans des pays comme le Maroc ou le Liban, ils sont beaucoup plus discrets parce que là on se trouve dans le monde arabe et les, la, la violence est plus. Plus forte hein, à l'égard de la, la, la franc-maçonnerie. Ouais. Pour ce qui est de, de la Malaisie, il y a une, une, une grande tolérance, donc, et il y a peu de, 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 de problèmes. Oui, oui, donc, euh, une tolérance qui est, est loin d'être générale, hein, euh, générale, à cet oui. égard, comme à bien d'autres. Vous parlez du Maroc, et, et vous vous racontez une histoire euh, étonnante, euh, celle du, du sultan euh, Moulay Hafid. Alors, euh, dites-nous un peu qui c'est. Je crois que c'est le. C'est le grand-père ou le grand père le... De, de, Mohamed de, de Mohamed V, si oui, je me souviens bien. L'oncle paternel de Mohamed V. Et donc, euh... Alors on sait très peu de choses, hélas, oui. sur ce personnage qui adhère à la maçonnerie en Espagne et qui poursuit son cheminement maçonnique en France. Mais on en sait très peu. Alors, est-ce par intérêt politique par... Parce que bon, c'était quelqu'un qui était quand même réputé pour sa, sa, sa piété. Donc, bien sûr. Euh, il avait peu à se rapprocher d'une de, de, maçonnerie qui aurait été peu religieuse. Cela dit, il faut, faut bien ajouter une grande une parenthèse extrêmement importante. Dans, dans l'ensemble le, du monde, il y a deux grandes familles maçonniques. Hein. Des maçonneries britanniques, anglo-saxonnes, qui restent très fidèles aux anciens principes donc de, de croyance et de non Intérêt donc pour le politique et puis des maçonneries plutôt latines, italiennes, espagnoles, françaises qui s'engagent volontiers dans l'arène politique oui. et qui mettent à l'avant la liberté absolue de conscience et euh, écartent donc la religion de l'horloge. Oui, euh, donc en fait on a une, deux grands types d'obédience. Hein. Euh, D'une part celles qui sont plus spirituelles, plus initiatiques, plus retirées des affaires du monde plus centré justement sur euh, un travail de transformation euh, personnelle, et puis de, l'exemple type hein, du, du Grand Orient de France, par exemple, fait, oui. hein, qui intervient davantage dans les affaires du monde, qui a une vocation plus temporelle, plus, euh, en France on dirait laïque. Hein. Euh, tout ça, tout à fait. D'ailleurs, hein. ils mettent à l'avant l'idéal laïque. Hein. Voilà. Vous, vous parlez au début du, de, de, de votre livre d'un certain nombre de, de têtes couronnées et de, 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 de personnages politiques de premier plan qui ont reçu, alors pour certains on, on en est sûr, là en l'occurrence Moulay Hafid, a priori, voilà qui lui a été le sultan du Maroc euh, de 1907 à 1912 hein, pour la précision et puis euh, des têtes couronnées pour lesquelles euh, eh bien là les, la, la rumeur euh, court on parle d'Hassan II on parle euh, de Mustafa Kemal hein, ouais, de... Mustapha Kemal le fameux fondateur de la Turquie moderne euh, aurait ouais. été maçon ou aurait eu Certains des sympathies le disent... Mais il n'y a absolument rien qui permet de le prouver. Cela dit, bon, il s'est intéressé à beaucoup d'autres choses et il n'a pas aidé au maintien de la franc-maçonnerie en, en 1935. Donc il a plutôt demandé à celle-ci de se mettre en sommeil. Mais il aurait pu, comme de nombreux jeunes Turcs, oui. comme de nombreux esprits éclairés euh, de l'Empire ottoman, y, y adhérer. Oui, alors on va en venir euh, maintenant euh, au thème qui m'a le plus intéressé dans, dans, dans votre livre et qui est, me semble-t-il, son, fi son fil directeur. Le plus surprenant, euh, peut-être euh, le plus inattendu, c'est le thème de. Alors vous employez plusieurs termes du, du croisement, de, de l'hybridation, euh, à partir d'une reconnaissance mutuelle entre euh, la franc-maçonnerie et le soufisme. Une hybridation euh, qui a eu lieu historiquement sur au moins deux plans, euh, dites-moi si je me trompe. Le premier plan, c'est le plan, je dirais, concret, pratique, c'est-à-dire qu'on a eu des organisations euh, qui étaient des organisations sœurs ou des organisations même euh, plus que jumelles, mêlées, hein, euh, à la fois maçonniques et euh, soufis. Vous parlez notamment, euh, et on va le développer, des Bektachis. Hein. Et puis, euh, une autre euh, hybridation sur un autre plan, là, plus doctrinal notamment à travers des discussions sans fin sur euh, la, euh, la consonance entre euh, le Dieu musulman, Allah, et puis le grand architecte de l'univers, et puis des discussions aussi au niveau doctrinal sur euh, l'existence réelle ou idéale de ce grand architecte et, ou de ce divin. Hein. Mmh. Voilà, donc on va, on va essayer de, de, de s'avancer un peu dans ces deux directions, si vous le voulez bien. Euh, sur le principe même de l'hybridation, co comment est-ce que vous pouvez nous le présenter Alors, peut-être il faudrait que je signale d'abord que mon oui. intérêt... Pour euh, la franc-maçonnerie en Islam, quand même, oui. il, il apparaît au moment de la rédaction de ma de ma thèse de docteur donc à Istanbul, où j'ai vécu une dizaine d'années pour apprendre le turc, le turc ottoman, et où je travaille sur un philosophe, les oui. artistiques. Ce philosophe introduit une euh, certaine philosophie occidentale dans l'Empire, donc il est traduit, il essaie de les faire connaître. Il est en même temps un poète de l'ordre soufi des Bektashi, un ordre très libéral dont, dont on parlera, oui. et il deviendra, il sera maçon et il deviendra le grand maître du grand Ottoman. Donc moi, euh, venant de la philosophie donc, et, et un diplôme de philosophie, je m'intéressais surtout d'abord à l'introduction de Bergson dans l'Empire par ce personnage. Et il y a un travail d'hybridation qui se fait à ce niveau-là, puisque Rizatefique va associer Bergson... Penseur mystique, et il trouve dans cette spiritualité, je mets ça entre guillemets bergsonienne, quelque chose qui lui rappelle les sagesses orientales. Et il fabrique une espèce de, de bergson soufi qu'il va faire passer dans l'empire ottoman, de, de bergsoufisme. Bergsoufisme. <laughs> Alors, on précise à propos de ce personnage sur lequel vous vous arrêtez, mais c'est pas la première fois que vous vous arrêtez sur lui. Puisque vous en aviez déjà parlé dans dans un livre de, bah dans le livre que j'ai cité tout à l'heure le livre de 1993 qui était peut-être d'ailleurs le résultat de votre thèse si hein, c'était l'édition de ma thèse fait. Fait. donc ça s'appelait euh, je cite son titre mystique au pluriel philosophe et franc-maçon en islam et il s'agissait pour vous euh, de, de de nous introduire dans la vie et la pensée de de cet intellectuel ottoman hein, qui s'appelle Reza tefi qui est mort en 1949 vous précisez un moment dans le livre si ma mémoire est bonne qu'il a été initié dans une loge espagnole à Espagnol, Salonique, Salonique. c'est ça 1907 ou 1908, quelque chose euh, comme ça 89, c'est ça. Ou 8-9, oui. Euh, D'ailleurs, euh, il y a des documents à la fin de votre ouvrage qui sont très intéressants. Ce sont deux conférences prononcées par euh, Risa Teffik, hein, qui euh, explicitent bien, justement, toutes les assonances doctrinales entre la franc-maçonnerie et, et le soufisme. Alors, euh, est-ce que vous pouvez. Alors, ça moi, ça excite aussi ma curiosité de philosophe, euh, un Bergson soufi. Et alors, chez Tefik, justement, qu'est-ce qui l'intéresse du côté de Bergson Est-ce que c'est l'élan vital est-ce que c'est l'énergie spirituelle -ce que Qu'est-ce qu qui l'intéresse exactement C'est un peu tout, mais effectivement c'est ce côté euh, que l'on pourrait appeler spirituel, mais qui n'est ne pas vraiment, oui. qu'il va, qu va découvrir chez Bergson. Cet aspect qui a été reproché d'ailleurs à, à Bergson, hein, euh, dans une époque qui était très rationaliste, très positiviste, lui on le traitait de spiritualiste, de vitaliste. Euh... Hein Donc il y a cette assonance de fond sur des thèmes fondamentaux qui concernent une vision du monde en fait euh, une, hein euh, une vision du monde selon laquelle alors on va pas faire dire à Bergson ce qu'il ne dit pas hein, parce que c'est toujours le, le, le danger justement hein, quand on veut trouver des assonances mais euh, Bergson se représente volontiers la vie comme douée d'une intelligence. Euh, qui transcende l'intelligence rationnelle il euh, y a ce thème chez Bergson selon lequel l'intelligence la nôtre lorsqu'elle est rationnelle trop rationnelle trop abstraite trop théorique court après la vie euh, qui elle est douée ou dotée d'une espèce d'intelligence immanente euh, qui lui donne son ingéniosité qui fait que elle est cet ensemble des fonctions qui résistent à la mort hein, comme le disait je crois que c'était Bichat qui disait ça c'est de ce côté-là que va à euh, l'éthique penser parfois un petit peu à ce fameux Pan vitalisme, oui. C'est ainsi que Coiré parlait de, de, de cette théorie donc de Paracelse, c'est cet alchimiste un peu mystique. Et je crois que Rizatefique trouve ce genre de choses chez Bergson. Hein. D'ailleurs, le chapitre où j'aborde ce, ce sujet, moi je l'ai intitulé le, le soufisme bergsonisant. Vous oui. avez pensé à un vieux texte de Gilson sur... Oui l'avicennisme augustinisant, enfin, ou l'augustinisme avicennisant. Uh -huh. uh -huh. Donc, il, y a vraiment, il a vraiment trouvé une forme de, de, de soufisme, on peut dire, euh, chrétien à l'européenne. Oui. Je ne dirais pas chrétien, mais à l'occidental, donc, chez, chez Bergson. C'est vraiment euh, en se dirigeant du côté de cette œuvre de, de Reza Tefik que l'on peut déterminer les, les, les relations euh, exactes qui ont été entretenues euh, alors, dans quelle ère géographique exactement, entre la, 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 la franc-maçonnerie et le soufisme, on est dans une zone large hein, qui va des Balkans jusqu'à la Turquie, c'est ça Oui, c'est-à-dire moi, dans la plupart des textes donc euh, concernant la franc-maçonnerie que j'ai pu lire, donc soit dans le monde arabe, en Iran, en Turquie, et, et jusqu'en Inde, donc oui. on apparaît toujours, on reconnaît toujours derrière la structure maçonnique une tarikat, donc une confrérie soufie. Alors, mais qu'est-ce que c'est qu'une tarikat dans leur esprit Organisation fraternelle composé de rituels oui. et d'un esprit, je dirais, de, de développement, de, de, de progression. Donc ça, c'est une tarikate. Ce qu'il faut préciser aussi, et toujours au sujet de Reza Tefiq, c'est qu'il appartient d'abord à l'ordre des Bektachis. Oui, alors il est aussi soufi dans cet ordre qui est très particulier. Alors euh, voilà, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur cet ordre des Bektachis qui joue un rôle euh, important hein, dans ce processus d'hybridation dont vous parlez. Est-ce que vous pouvez donc nous en dire plus Il a été fondé, euh, je crois, au XIIIe au, 13e siècle Au XIVe hein siècle, oui. Mais voilà. sa spécificité, ce qui le distingue aussi des autres confréries soufis, oui. bon, d'abord, il est lié à des courants, euh, aux limites de l'hérésie en islam, il est lié au courant Batini. Donc, ils sont un peu issus de l'ismaélisme et du schisme. De, de Batine, c'est-à-dire des intérioristes. Voilà, hein voilà le, le secret. C'est-à-dire qu'ils mettent à l'avant... Le, un certain secret dans les Écritures, si on s'intéresse donc au Coran, dire que le secret, le sens secret des Écritures peut parfois se trouver en contradiction avec le texte apparent, avec le Zaïr. Voilà, c'est ça. Donc chaque verset a un dos et un ventre, hein. donc une, une apparence, une littéralité, et puis un sens et même plusieurs sens allégoriques emboîtés hein, les uns dans les autres. C'est les poupées russes appliquées au corps oui. hein. par Ce qui fait que du côté de l'orthodoxie musulmane, le baptême n'est pas très, mais très bien vu. Même il n'est pas en odeur une... de sainteté, pas du le tout. moins qu'on puisse dire. alors Il y a cet aspect qui caractérise le bektachisme. Oui. Un autre point, c'est le secret. Alors vrai qu'on dit bien, il y a des enseignements secrets qui sont donnés dans le soufisme, oui, c'est dans les conférences soufis, mais les bektachis, eux, maintiennent le secret du cérémonial et de la réunion du rassemblement. Alors qu'il est très facile dans le cadre de confréries comme la confrérie des Hadiriyah, des Naqshbandiyah, des Khalwatiyah, d'assister, d'être présent au moment des prières, d'assister de, à une cérémonie d'initiation. Ce n'est pas possible chez les Bacthachis. Il y a vraiment un secret qui un ferme. Un culte du secret, une culture du secret. Une culture et un secret pratique même. Qu comment est-ce que vous l'expliquez ça euh, Quelle est le, la justification donnée S'il y en a une qui est donnée, d'ailleurs à l'extérieur. C'est certainement l'influence les, 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 du baptinisme et de l'ismaélisme qui ouais. a toujours maintenu le secret. Oui. Il y a une justification traditionnelle du secret que j'aime beaucoup. Lorsqu'on demande ⁇ mais pourquoi est-ce que les choses sont gardées secrètes ?⁇ Eh bien, la réponse est eh bien, tout simplement parce que le secret, ce n'est pas tellement ce qui ne doit pas être dit, mais le secret, c'est ce qui ne peut pas être dit. <laughs> le caractère indicible, donc. C'est ça, le caractère indicible. Il y a un troisième point qui distingue le bektashim des autres confrères soufis, c'est que la cérémonie d'initiation du Bektachisme est une, une mise en histoire de plusieurs symboles. Alors que généralement, dans d'autres confréries soufis, l'initiation, c'est la transmission des mots de la prière et de oui. certains exercices. Ça se réduit à ça. Dans le Bektachim, il y a vraiment une mise en histoire de symboles avec une cérémonie de mort, naturellement, renaissance. Et un cérémonial qui s'apparente beaucoup à de vieux rituels de mystères anciens, tels que ceux de Mitra, par exemple. Et là, ah. c'est un point commun. C'est ce que les francs et les bektachis ont trouvé comme point commun entre eux. Mmh. C'est vraiment ce qui est passionnant dans cette zone du monde, c'est l'hybridation des héritages, et également, euh, non seulement l'hybridation des héritages les moins anciens, hein, là en l'occurrence, euh, un héritage qui vient de l'Occident, et un héritage qui vient de, de, de l'Islam, mais également euh, l'héritage de cultes très anciens, euh, qui, le, le culte de Mitra, euh, par exemple. Hein. Alors, vous parlez euh, notamment au sujet donc, de ces hybridations, d'organisations euh, secrètes ou discrètes ou de sociabilité que vous qualifiez de paramasoniques, c'est-à-dire qui ont eu véritablement une espèce de nature double, hein, à la fois soufie et maçonnique. Euh, donc là, on, on va au-delà de la simple reconnaissance euh, entre des, des organisations qui resteraient distinctes et qui trouveraient simplement des parallèles à faire entre leurs rituels ou leurs doctrines. Et vous citez deux cas, notamment, qui m'ont beaucoup intéressé. C'est le cas de deux organisations paramasoniques en Iran et dans l'Empire ottoman qui marient, dites-vous, les rituels et les symboliques soufis et maçonniques. Alors elles ont deux caractéristiques, on va en parler un peu. Euh, elles ont donc euh, une, un caractère hybride et elles ont aussi une fonction politique très, très importante. La première, euh, la plus ancienne en Iran, s'appelle la maison de l'oubli. Euh, je voudrais que vous nous en parliez euh, vous précisez qu'elle s'est opposée au milieu du 19e siècle à un despotisme hein, euh, au despotisme de l'état euh, iranien euh, Qajar et une autre euh, organisation paramasonique euh, là, là je vais prendre la peine même de lire un passage mais je voudrais que vous nous en parliez un peu d'abord qui s'appelle la confrérie de la vertu et qui elle du côté turc cette fois-ci hein, tout à l'heure on était du côté iranien elle du côté turc va combattre la république de Mustafa Kemal alors dites-nous en, s'il vous plaît, un peu plus sur ces deux confréries. Confrérie, Alors, il est vrai confrérie que... loge. Euh... Oui, on peut dire. Il est vrai qu'un début d'hybridation se produit néanmoins dans les loges maçonniques classiques avec la traduction des rituels. Parce que lorsqu'on traduit, on, on interprète. Et lorsqu'on on se trouve confronté à des termes, à une terminologie nouvelle, on l'adapte, mais on l'adapte avec sa culture. Mmh. Donc là, on commence à sentir dans quel sens on commence à sentir la prégnance du soufisme, on commence à sentir le sens que les, les musulmans, donc turcs, persans ou arabes, vont donner à la, à la maçonnerie. Parce qu'il y a des termes classiques hein, euh, du, du soufisme qui font partie de ce qu'on appelle les istilahat, c'est-à-dire les, les termes techniques ah, ouais, du ouais, soufisme, ouais. qui vont être tels quels transposés pour désigner des rituels euh, maçonniques ou des... Des rituels ou des stations spirituelles, euh, mmh, oui. euh, des degrés spirituels euh, atteints, par, euh, euh, atteints sur l'échelle du perfectionnement spirituel. Et ce qu'ils trouvent donc, c'est le, les, les analogies sont très faciles à, à établir avec naturellement le, le soufisme, les confréries, mais également avec les, les guides, les guildes de métiers, qui elles sont imprégnées aussi de et de, de, de soufisme dans le monde musulman des asnaf, entre autres, etc. Donc là, il y a, a intérêt. Maintenant, ensuite, vont se fabriquer des ordres paramaçonniques. Alors, les musulmans en Iran comme en Turquie ont envie de fabriquer leur franc-maçonnerie musulmane. Et pour ça, ils sont obligés de passer à une étape supérieure, qui est celle de croiser les rituels. Alors, ça se fait dans un sens politique. Pourquoi Parce qu'il y a toujours eu un intérêt des musulmans pour la franc-maçonnerie et pour l'image de la franc-maçonnerie française, qui est celle qui, d'après la, 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 la mythologie euh, révolutionnaire, a fait la grande révolution. Donc, il faut voir le monde euh, ottoman en, au XIXe siècle, on va combattre à partir de... On, on, on se heurte à l'absolutisme des sultans, Et il faut voir qu'en Iran aussi, on combat le, les chakajars. Donc, il y a cette maçonnerie porte, on peut dire l'idéal donc d'intellectuels qui veulent changer ce monde et qui tous sont naturellement euh, attirés par le constitutionnalisme, mmh. par la liberté, par les échanges. Donc, elles sont automatiquement des sociétés politiques. Mais Certains y ajoutent une forme de spiritualité, une forme de quête euh, intérieure. Avec donc, selon les confréries et puis selon aussi probablement les parcours personnels, une polarisation plus importante sur le plan euh, de la lutte politique ou sur le plan de la du travail initiatique. Hein Absolument. Alors, dans le cas de la société paramaçonnique qui s'appelle la Maison de l'Oubli, donc Falahmushrana en persan, oui. euh, elle regroupe effectivement des partisans de la Constitution, des personnes qui veulent changer à portée une certaine modernité dans, dans l'empire kadjar donc des, des grands esprits et le croisement va se faire à travers le soufisme il n'y a pas de confrérie Bektachi, quand on dit appartient uniquement à la turquie c'est un croisement entre la grande tradition soufie persane et en particulier euh, avec la fethoua ah. qui est la chevalerie spirituelle mm -hmm. et qui donc est marquée à la fois par une dimension suffit, mais également par un idéal d'engagement, de combat contre soi-même. C'est mmh. la véritable et grande djihad qui est celle que l'on mmh. se livre à soi-même. Donc mmh. le croisement se fait, l'hybridation se fait à ce niveau. Mmh. Le grand djihad qui vise le, le gras à l'intérieur de, de, de l'éveil, hein, pour être pour <laughs> dire. Fait. Pourquoi est-ce que ça s'appelle la maison de l'oubli C'est curieux. Comme... Alors, alors c'est un terme qui a été emprunté au Monde indien, c'est surtout mmh. en Inde qu'on va utiliser pour la première fois ce terme. Ça fait référence à un élément du rituel maçonnique où c'est dans les rites français où l'on fait boire donc une coupe d'amertume, un liquide amer pour montrer enfin, symboliquement montrer au maçon qui ne doit pas s'attendre donc à trouver de tels un certain nombre de, de bonheur ou autre, mmh. mais que l'amertume fait partie aussi du chemin. Mmh. Alors c'est un souvenir donc de cette coupe qui doit faire oublier un certain nombre de choses. Qu'on a dû adopter le terme de faramouche, donc oubli, faramouche rana, la maison de l'oubli. À propos de rituels, vous, vous donnez un autre exemple euh, de rituel qui avait cours dans cette maison de l'oubli et, et qui est vraiment hybride. Je vous cite Au moment de l'initiation, hein le nouvel initié euh, effectue les yeux bandés des déplacements précis dans un espace fermé avant de connaître l'épreuve de la planche à bascule. Emprunté au maçon, mais ici avec un tout autre sens ou une tout autre portée symbolique. Le récipiendaire a l'impression de s'élever dans les airs avant d'être ramené brutalement vers le sol. Cet acte symbolique lui remet en mémoire l'épisode coranique de l'ascension du prophète vers Dieu. Donc, c'est une référence à la sourate 53 hein, euh, du Coran, que les soufis interprètent comme le modèle par excellence de l'expérience spirituelle et de l'état de proximité avec Dieu. Voilà, Donc la planche à bascule conjuguée au mirage, à l'ascension la, euh, spirituelle du prophète, c'est complètement inattendu. Oui, et puis ça montre, je demande en même temps, la culture donc de, de ceux qui ont conçu ces rituels et leur envie de les mettre en, en parallèle et de les associer oui. totalement, de trouver une... Cela dit, il n'y avait pas de grande difficulté puisque l'islam est quand même... Une religion qui fait un retour, comme dit le Coran, à la vieille foi d'Abraham, mmh. en voulant corriger les erreurs des chrétiens et des juifs. Donc on se trouve dans une mythologie dire, des, des peuples du livre, l'équitable, qui, qui, qui est la bien même. Sûr, donc. Bien sûr, bien sûr. Un autre thème que je voulais aborder avec vous, au sujet de ces hybridations, il y a des hybridations qui sont des hybridations sur le plan du rituel, mais il y a des hybridations également doctrinales. Et une discussion euh, très importante qui tourne autour, euh, bon si je le dis d'une formule, de l'identité de Dieu. Euh, mmh. ben, C'est-à-dire que ce qui est en question dans ces, euh, alors soit dans ces loges maçonniques orientales, dans ces loges maçonniques musulmanes, soit dans ces loges paramaçonniques qui sont tout autant euh, des confréries soufis que des loges, c'est la question de savoir si l'on est théiste, si l'on est déiste, si l'on maintient la référence euh, Traditionnelle en maçonnerie au grand architecte de l'univers. Alors, quelles sont ici les lignes de partage Alors, il faut rappeler d'abord que la maçonnerie, au début de son histoire, au XVIIIe siècle, elle est chrétienne. Hein oui. Elle entend vraiment euh, le rester. Donc, il y a une, une certaine difficulté au départ pour, pour qu'elle s'ouvre à l'autre. Alors, elle va s'ouvrir petit à petit aux Juifs en Europe. Et c'est un petit peu plus tard qu'elle le fera donc en islam aux musulmans. Ce qui signifie que déjà, elle donc elle maintient naturellement cette, cette croyance en Dieu, qui est, cela dit, le, le, le même Dieu, je veux dire des, des, des chrétiens, des juifs, des chrétiens et des musulmans. Mais petit à petit, elle va encore s'affiner et même rejeter, à la fin du 19e et au début du 20e, une des précisions qui indiquait que c'était une religion révélée, afin de s'ouvrir encore plus largement. Aux, aux Parsi, par exemple, aux Zoroastriens, il y a d'autres religions. Donc on va plutôt vers un déisme euh, que, que vers un théisme, hein, c'est cela oui, Absolument, oui. Et euh, là, par exemple, vous insistez sur, le, sur les écrits d'une un, autre grande figure hein, qui s'appelle Remzi Sandver, qui va être le grand maître de l'obédience régulière turque mais c'est tout à fait récent puisqu'il l'a été très euh, euh, de 2010 à 2013 et qui a abordé en 2003 euh, dans un ouvrage la question de la croyance euh, de la franc-maçonnerie, euh, de, de la croyance donc, en, un, en un Dieu ou en un principe créateur. Euh, et euh, il rappelle donc euh, qu'il s'agit pour le franc-maçon euh, non pas euh, de croire en la vérité particulière révélée par un livre sacré précis, mais euh, d'affirmer qu'il y aurait une divinité universelle euh, dont l'existence et dont la nature dépasserait les clivages religieux et surtout, euh, il y a là un article de foi qui est important, qui ne peut pas, ce Dieu, qui ne peut pas être défini. Qui est incompréhensible, qui est foncièrement un, un mystère incompréhensible. Oui. alors là, il y a deux choses. D'abord, c'est l'objectif des, des francs-maçonneries, donc, euh, je dirais, de type anglo-saxonne, hein, donc oui. euh, régulière, comme on les appelle, à vraiment euh, s'ouvrir au maximum, hein, à manifester et à mettre en action leur fameuse tolérance interconfessionnelle au, ma au maximum, tout en gardant quand même, je dirais, même pas l'idée d'une divinité, mais l'idée d'une transcendance. C'est-à-dire ne, surtout ne pas tomber dans le matérialisme ou l'athéisme, donc garder cette idée mais la plus large possible pour permettre à un maximum donc de, de personnes ayant un intérêt pour une forme de transcendance et pas automatiquement donc de, 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 de divinité ou de religion de pouvoir les rejoindre. Donc une sorte de passage euh, du, du, du religieux au spirituel, c'est-à-dire euh, une spiritualisation c'est curieux de dire des choses comme ça, une spiritualisation de, 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 de l'idée de Dieu qui permet d'accueillir toutes les conceptions possibles de, de, de la transcendance. Hein c'est ça, c'est la notion de transcendance qui doit absolument être maintenue, je pense. Et c'est au-delà de, bon, au de la transcendance, en revanche, on passe dans un autre système. D'accord. Et donc, à travers euh, ramsey Samver, euh, Sand il y a cette réaffirmation euh, doctrinale de ce que vous appelez, vous aussi, un supra-confessionnalisme hein oui, dans la mesure où euh, Ramzi Sanver a été grammet de la grande loge de Turquie. Et ce sont des loges qui, aujourd'hui encore, regroupent non seulement des musulmans, mais également des chrétiens et des juifs. Donc il, il importe pour, pour ces loges de, de, de trouver, de proposer un espace vraiment de tolérance et d'ouverture euh, maximale. Oui. Et c'est ce qui explique un petit peu son interprétation. Et euh, il, euh, il le fait avec d'autant plus d'assurance euh, qu'il a le sentiment de puiser là aux grandes origines de la tradition Soufie euh, elle-même, hein, dans laquelle il y avait justement euh, ce supra-confessionnalisme. Euh, il peut lui arriver de citer Younous Emre, par exemple, et vous citez vous-même Younous Emre, euh, qui disait euh, Je cite deux vers en les reprenant de votre livre, la Torah, les évangiles, les psaumes de David, le Coran. Tout ce que ces livres révèlent, je l'ai trouvé dans l'être, avec une majuscule. Hein oui, ben c'est le, le fait de montrer dans cet esprit d'un soufisme vraiment, je dirais, supérieur, on pourrait se permettre euh, de le dire ainsi, de, de, de trouver donc euh, le réel, euh, le vrai, avec un, un grand V comme le disent les soufis, derrière ces, ces livres. Mmh. Tout en laissant cependant les rejeter et alors euh, pour, pour terminer je reviens peut-être à des considérations plus, plus triviales euh, ou plus terre à terre euh, là on vient de, de, de parler de cette grande figure donc euh, Remzi Sandver euh, qui est le, le grand qui a été le grand maître d'une de de, de, obédience euh, du grand, turc, euh, de, la, de la grande loge de Turquie de la lui. grande loge de turquie euh, donc il y a eu cet attentat dont on a parlé tout à l'heure quelle est la situation aujourd'hui euh, euh, générale pour le pour la franc-maçonnerie euh, turque? Elle n'est pas, absolument pas interdite, elle n'a jamais été interdite par le, 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 le pouvoir, donc en particulier par le, le Parti conservateur donc euh, turc. Euh, elle, elle est souvent décriée dans la, dans, par la, la presse donc, euh, musulmane un peu radicale, mais elle se porte très bien, puisque des, des, des loges sont créées, euh, mmh. elle, elle n'est pas sur le déclin. Mmh. Elle est visée par les organisations radicales, c'est ça, est, elle ne fait pas l'objet d'une hostilité du pouvoir en place. Par contre, euh, elle est véritablement euh, la cible de, de, de l'hostilité du, du radicalisme en Turquie et, et ailleurs. Là, là c'est clair et net. Oui, on, on, le, on peut le constater dans la dans la presse donc qui est liée à ces ces courants radicaux, mais également dans leurs ouvrages. Alors, le, le pouvoir est quand même méfiant parce que le pouvoir est un petit peu aussi ne connaît pas, ne sait pas trop ce qu'est la maçonnerie. Donc, il est un petit peu un petit peu piégé par euh, tout ce qui se raconte. Et, mais comme il présente quand même une plus grande ouverture donc, euh, à l'égard de la politique en général, il, il reste quand même euh, conciliant donc, et, et tolérant. Mmh. Et à, à moyen terme, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de ces organisations euh, maçonniques dans le, dans, dans le monde musulman euh, Quelle est la situation cette fois-ci, plus générale ou plus globale alors, je pense que dans les, les quelques pays où elle existe, donc Malaisie et Turquie, euh, là, il n'y a pas de, pas de grande inquiétude à avoir. En revanche, dans les deux autres pays du monde arabe où elle se maintient, le Liban et le Maroc, euh, c'est une situation difficile. Mm. Et là, je n'ai pas. Euh, je ne suis pas très optimiste. Maintenant, il faut noter que dans mm. les Balkans, où de nouveaux pays donc, se sont dégagés donc, de l'ancien pouvoir, donc. Euh, les anciens pouvoirs, donc avec des changements non politiques, euh, la franc-maçonnerie apparaît dans des pays dont, où les communautés musulmanes sont importantes, comme par à, exemple à, à la Macédoine. Vous, ou... Oui, la Bosnie, la Macédoine, ouais. l'Albanie, récemment. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va peut-être se faire, peut-être des hybridations euh, d'une espèce nouvelle. Eh bien, des hybridations dont vous viendrez nous parler hein, lorsque ça aura fait à nouveau l'objet d'un livre, Thierry Zarkon. Je vous remercie beaucoup. Merci d'être venu dans, dans Culture d'islam. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, hein, le, le dernier d'une longue série euh, le croissant et le compas. Le croissant et le compas. Islam et franc-maçonnerie de la fascination à la détestation. Euh, c'est chez Dervy Livre euh, et ça vient de paraître en, en 2015. À la fin de l'année 2015, on est dans Culture d'islam et c'est l'heure du nez turc. Écoutons depuis le début de l'émission, euh, c'est le nez turc. Euh, c'est une flûte, une flûte dont on connaît euh, notamment ici en Occident le plus grand interprète euh, qui a rassemblé les, les morceaux que nous écoutons là euh, l'immense Kutsi Erguner. Tu sais lire, le Coran est en toi. L'origine de l'émanation de la vie se trouve en toi, ainsi que les souffles des âmes qui vont et viennent, et cet univers tout entier ne t'étouffe pas de stupeur, ne sont qu'une goutte. L'océan est en toi. C'est euh, l'extrait euh, d'un poème de ce franc-maçon euh, turc, de ce franc-maçon soufi dont on a parlé pas assez, pas assez abondamment euh, avec Thierry Zarkon dans la première partie de cette émission. Je vous invite à, à relire ce, ce, ce livre hein, de Thierry Zarkon dont on a parlé, Le, le croissant et le compas. Islam et franc-maçonnerie de la fascination à la détestation et il nous a présenté donc cette, cette grande figure euh, du début du XXe siècle euh, Reza Teffik qui dit donc si tu désires Dieu ne regarde pas le livre et si tu sais lire le Coran est en toi euh, c'est-à-dire que il dirige le regard de l'homme qui cherche la vérité du chercheur spirituel il dirige son regard du côté de l'intériorité ce n'est pas la peine d'aller chercher le divin dans les nuées et du côté d'une transcendance lointaine. En réalité, la transcendance est dans l'immanence. L'absence est dans la présence. Ce qui est loin est proche. Et il s'agit d'aller voir du côté de la proximité de ton propre cœur, nous dit Reza Tefik, puisque si tu sais lire, le Coran lui-même est en toi, hein, Voilà qui ne va pas faire très plaisir à euh, l'orthodoxie, il n'empêche que eh bien euh, il y a cette parole, cette parole euh, qui évoque euh, une, euh, un thème euh, soufi classique selon lequel il y aurait dans le cœur de l'homme, dans le cœur de l'intériorité euh, de l'homme, euh, la source de toute chose. puisque je cite à nouveau les vers de Reza Teffik, L'origine de l'émanation de la vie se trouve en toi, ainsi que les souffles des âmes qui vont et viennent, et cet univers tout entier ne t'étouffe pas de stupeur, ne sont qu'une goutte, l'océan est en toi. Il y a une assonance ici remarquable avec une phrase que je connais bien et que je veux partager avec vous de Mohamed Iqbal, qui disait, il faut que la goutte d'être que tu es, toi l'être humain, réalise qu'elle est l'océan. L'océan est contenu par la goutte, à condition que la goutte, c'est-à-dire l'individualité, se réalise véritablement comme cette individualité de haut rang, cette individualité qui n'est pas un atome d'être perdu dans l'univers, mais un être dans lequel c'est l'univers tout entier qui peut être est perdu. culture d'islam, euh, une émission euh, pour laquelle je remercie tous ceux qui m'ont aidé à la concevoir, euh, mon attaché de production Dominique Compétissa, la, à la prise de son Jean-Michel Bernot et à la réalisation Franck Lila. Dans quelques instants, vous retrouverez Louis Touré et la rue des écoles.